donc bienvenue à la Folie des Plantes 2015. Cette année est la 28e édition et donc le thème est mobile et volubile. Bon, écoutez, je crois qu'on a le temps avec nous, donc il y a beaucoup de monde, le soleil est avec nous et puis je crois que les Nantais, pour eux, c'est vraiment un rendez-vous incontournable de la rentrée de septembre. Oui, alors nous avons chaque année invitons des artistes donc à exposer au sein de ce jardin. Cette année donc la calligraphie coréenne. Nous avons aussi des stands d'origami ou alors des années précédentes on faisait aussi des cours de K-pop. Pour moi ça. Ça me demande beaucoup d'efforts parce que comme c'est ma culture, ma propre culture, quand j'explique quelque chose, je pense qu'il ne faut pas faire des bêtises parce que la culture coréenne, c'est pas bien connu encore en France. Alors une fois que j'explique, il faut être précis. C'est pour ça que ça me demande beaucoup d'efforts. C'est naturel, entre guillemets, c'est lié par le fait qu'on a des intérêts pour une autre culture, on rencontre d'autres gens et on a des super amitiés après. D'accord, alors donc tout à l'heure on parlait des mystérieuses sculptures qu'il y a derrière nous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment elles s'appellent? En coréen, c'est Changseung et vous pouvez les trouver à l'entrée ici, il y a un grand bonhomme. Autrefois, en Corée, on les mis les Changseung à l'entrée du village pour protéger les villageois contre des mauvais esprits. Les années croisées, c'est quoi exactement? Alors, les années croisées, c'est un peu à l'initiative de François Hollande et puis de la présidente coréenne Park de fêter les 130 ans des relations diplomatiques entre les deux pays, la France et la Corée. Ça symbolise l'amitié entre les deux peuples et donc ça va aussi, au cours de l'année, proposer des manifestations culturelles diverses et variées. Voilà. Et donc nous, avec le jardin, la colline de Sunshine, on s'inscrit vraiment dans cette manifestation et ces années croisées. L'année dernière, vous avez fait en moyenne 350 couverts, combien cette année? Eh bien écoutez, on espère égaler ou évidemment, vu le succès de la manifestation, faire davantage, mais en tout cas, on est vraiment très très content donc de cette manifestation et de ce succès. C'était très bon, un peu pimenté bien sûr, et très agréable. Avec la carotte, ça apporte la douceur, donc voilà, très bonne expérience. Maseke Duseo. Un petit goût pimenté. C'est très épicé. Enfin, pour moi, c'est très épicé. La folie des plantes, premièrement, ça représente d'abord un jardin coréen qui a été fait par des jardiniers de la ville de Sunshine et des jardiniers des espaces verts de la ville de Nantes. Donc ça symbolise un petit peu, à travers le jardin, l'amitié entre les deux cultures. Alors Emmanuel, comment est-ce que vous avez trouvé le jardin coréen? Sympa, très sympa. C'était très sympa. Vous y allez là pour déjeuner? Exactement, oui. Revoir des amis, voilà. Vous aviez l'habitude déjà de déjeuner coréen? Vous connaissiez un peu? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc là, ça a été une vraie découverte? Oui, et c'était bon. Ah bah justement, oui, c'est énormément de travail parce qu'on a passé une semaine à préparer. Il fallait voir comment on allait décorer. On a préparé la cuisine, tout ce qu'il y avait à manger, c'était énormément de travail. Bah, en l'occurrence, surtout de l'accueil, puis on donne quelques petites informations, notamment pour ceux qui veulent être adhérents, en fait, on leur explique à quoi ils adhèrent, en l'occurrence, quels aspects, en fait, ils peuvent aborder de la culture coréenne, notamment les cours de coréen, de langage. On est vraiment, vraiment soudés, c'est vraiment une association, on prend vraiment du plaisir, on n'a pas l'impression de travailler, en fait, on s'amuse. Donc, le thème de la Folie des Plantes 2015, c'est mobile et volubile. Donc. Bah, mobile, ça bouge. Très bien. C'est quelque chose qui se déplace, qui reste jamais longtemps au même endroit, pour moi. C'est toujours en mouvement, il y a énormément de passages, de gens qui reviennent, ou gens qui s'en vont, des fois il n'y a personne, des fois il y a du rush, c'est vraiment, c'est constamment mobile. Constamment mobile, d'accord. Mais alors, volubile, pour quelle raison? Nous allons le savoir sans tarder. Ben, volubile, ça rappelle le fait de voler, donc c'est aussi le fait de ne pas rester au même endroit, mais c'est beaucoup plus léger du coup, beaucoup plus enlevé, j'imagine, quelque chose... léger, je pense que c'est vraiment le mot qui correspond à volubile. Il est question de croquer les gens et de les transformer en personnages de manga, c'est bien ça? Oui, tout à fait, oui.
tout simplement en les transformant en personnages de manga. Donc, est-ce que j'ai un exemple là? Ah bah non, j'en ai pas. Merveilleux. Je vois, tout était préparé d'avance, bien entendu. Est-ce que vous faites du dessin depuis longtemps? Oui, depuis j'ai appris à dessiner avec l'émergence des mangas à la télé. Et donc après, eh bien, l'idée s'est faite naturellement. D'accord. Et avec cette passion de manga, l'envie de croquer les gens. Et de faire autre chose aussi, de peindre, de faire des tableaux. Ce n'est pas juste du croquis de manga, en fait. Il n'y a pas que du manga. D'accord. En fait, c'est une transformation. Les gens viennent se faire repeindre le portrait pour devenir un personnage de manga. C'est eux qui choisissent le personnage ou c'est vous? Non, c'est vraiment une caricature. Donc, on prend les éléments du visage et puis, en général... ils se reconnaissent. Le premier exemple qui est peut-être le plus visible, c'est la pagode qui est juste le pavillon qui est juste derrière nous, qui a été construite sur le plan des ouvriers coréens, avec l'étang et puis évidemment les lotus, hein, qui sont là depuis maintenant 2 ans, qui fleurissent depuis 2 ans. 2 ans. C'est vous qui les avez plantés? Voilà, les jardiniers, oui, ont planté. Et pendant quelques temps, 2 ou 3 ans, ça n'a pas donné de fleurs. Et puis là, ils ont... avant, le lotus était dans un pot. Ils ont décidé de le mettre en pleine terre. Et depuis, ils s'épanouissent totalement. Il y a aussi une zone où il y a des rizières. Il y a aussi un potager coréen. Un enclos aussi où on peut stocker aussi des plantes, des fleurs. Je mets de l'huile végétale, huile tournesol. C'est meilleure huile, c'est huile de... pépin de raisin, ouais, pardon. Alors, selon vous, c'est je veux qui lequel le premier? La carotte. Non? Les oignons. Et voilà. Pourquoi les oignons? Ça sent la nourriture. Ouais, c'est. Oui, c'est ça, comme la base, c'est le plus clair. Après, c'est le plus. Ouais, ouais. Vous voyez? En 2002, le service des espaces verts et de l'environnement a pris comme thème annuel de travail, à l'occasion de la Coupe du Monde de football, je crois, qui avait lieu au Japon et en Corée. Ils ont pris comme thème le pays du matin calme et du soleil levant, donc Japon-Corée, qui est pour un service d'espaces verts un thème formidable. Et c'est la ville de Suncheon, qui est dans une province du sud de la République de Corée, ou Corée du Sud, qui a offert à la ville de Nantes ce beau jardin. Donc un peu de une musique originaire de Suncheon et une autre musique originaire de la région de Séoul. Oui, c'est le morceau qui est comme ça en fait. Le morceau a ces deux, c'est un mélange. C'est un mélange, oui. Oui, de quel instrument alors? Le jing, c'est le gong en fait, entre parenthèses. D'accord. Le nom du groupe, on peut le redire? Wolwil. Pas facile à dire, Wolwil. Wolwil, j'ai bien dit? C'est pas facile. Annyeonghaseyo. On peut visiter puisqu'il y a des plantes typiques de la Corée. Il y a aussi une zone où il y a des rizières. Il y a aussi un potager coréen, un enclos aussi où on peut stocker aussi des plantes, des fleurs. Donc, il y a un petit enclos coréen qui a été construit aussi par les jardiniers coréens. Donc tout ça se visite tout au long de l'année, effectivement.
On est vraiment très très content donc de cette manifestation et de ce succès.